Nouveau donjon de Shadowbringers, le puits de Malika. On va le faire pour la première fois tous ensemble. Et on va voir ce que ça va donner. Et il est obligatoire à faire pour avancer dans l'épopée. En tout cas, ça fait un peu peur là. Ça fait un peu genre fantomatique, j'aime bien. J'aime bien quand c'est creepy. Hello! Ah, c'est la même musique à l'extérieur, mais en plus doux. Enfin, pas en plus doux, mais en plus éteint. Oh, elle est belle! Trop belle. Oh, elle est trop belle. C'est trop belle la couleur. Bon, on va jouer. Sorry. C'est bon qu'on est là. Mais attends, pourquoi j'ai un temps de recharge là-dessus? Ah non, je suis con, je suis en train de confondre les deux. Il n'y a pas mes propres attaques, c'est mon main. Vraiment, je fais pas du haut level parce que sinon, je pense que je serais un échec total. Hein. C'est beau, hein? Bon, je regarde un peu les décors. Hein. Bon, c'est des tunnels, mais c'est beau quand même. J'attaque un autre. Par contre, il y a tellement de mobs dans les donjons, je trouve. Un peu de fou. Est-ce que ça va marcher ça? Ok. En fait, là, je vois pas de dégâts s'afficher. Alors, je me demande si j'en fais vraiment ou pas, ou si là, je fais rien du tout. Vraiment, je me pose la question. Hein. Parce que là, regardez, quand je... là, on voit qu'il y a des, il y a des dégâts qui se font quoi. Ou est-ce que je suis trop proche? Je vais réessayer de le faire en étant plus loin après. Voir si ça change quelque chose. Putain, il y en avait des tels aussi, c'est un peu. Oh, ça fait trop peur, on dirait vraiment qu'on s'enfonce dans un truc genre la brume, on voit pas ce qu'il y a au loin. C'est parce que c'est un écran de chargement, merde. Ah, mais c'est ouvert en fait, un peu. C'est beau cette zone là, enfin cette partie avec les lumières, là. Enfin le plus de lumière à gauche. Grand atout, c'est le premier boss. On va voir ce qu'il fait. Bon, à mon avis, il faut être loin de sa queue, non? Ok, j'ai bien fait de partir. Ah, je peux tuer ça, non? Z. Ok, en plus il y a une espèce d'attaque. Ok, il a pas l'air très compliqué ce boss, juste pour être un peu réactif sur les attaques qu'il fait. Enfin, il a pas de grosse strat de fou, mais c'est plus en mode réagis quoi.
là il faudra revenir au centre après. Après ça, il faudra revenir au centre. Ah, t'as pas trop le temps hein, pour réagir. Ah, j'aime bien les boss comme ça. Genre, en vrai, c'est pas trop compliqué, mais il faut juste être réveillé. Quoi. C'est vraiment les boss que je préfère. Il attaque au sol, du coup il fait super mal, puis il fait son truc de loin, et après il faut aller au centre. J'ai bien retenu. Yes. Ah, machiniste emblématique! Et en plus, c'est un level up! Qu'est-ce que j'ai gagné? Automatrain, c'est quoi? C'est où? Pourquoi j'ai pas? Et le mec, on le reste pas? C'est où Automatrain? Bon, vous savez quoi, je m'en occupe après. Tête, non, je peux pas avoir les têtes malheureusement. Oh, c'est pas mal. C'est beau ce vert là, j'aime bien. J'aime bien ce vert là, vous savez, genre c'est pas turquoise, mais c'est. Enfin, je sais pas, c'est une espèce de vert un peu bleuté comme ça, j'aime bien. Oui, c'est Sablero, exactement, ça ressemble très très fort, c'est quoi ça? Erk, c'est quoi ça? Voilà, on va tester le truc que j'ai dit tout à l'heure. Si je fais mon lance-flamme à distance, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Non, je vois toujours pas de dégâts s'afficher, donc je sais pas si j'en fous techniquement ou pas. Vous savez quoi, je vais me demander sur Twitter, il y a une des meilleures machines pour moi qui en ont. Ghostbusters. J'aime bien les petits bonbons comme ça, ils sont. Ils ont l'air tout à. Comment dire? On dirait qu'ils font la gueule, mais du coup, je trouve que ça a l'air mignon. Waouh! Ah, mais c'est le puits! Ok, d'accord. C'est là par où on est rentré, quoi. C'est quoi? On peut voir? Ah, c'est de l'eau. Putain, c'est beau, hein? C'est trop stylé. Arrêtez d'attaquer. Sinon tu vas reprendre l'aggro encore. Tu parles à un personnage en disant que c'est lui qui reprend l'aggro alors qu'en fait c'est moi qui appuie sur le bouton. Donc ça c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de mon personnage. Je sais pas s'ils peuvent le choper le poison des vampires, hein. Je sais pas si ça compte. Ah il est en bas. Ouais, je comprends pas très bien cette technique. J'ai l'impression de faire de rien faire en fait quand je fais ça. Je sais pas si je rêve, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de mobs dans les donjons de Shadowbringers que dans les donjons de Stormblood. On va courant de turquoise, je vous l'avais dit que c'était turquoise là. Prochain boss, Talos amphibie, un Talos qui va dans l'eau, super. Bon, qu'est-ce qu'il fait lui? Ça va être la grosse surprise encore une fois. On va essayer de deviner, de comprendre et pas crever. Désintégration. What is that? Ok, c'est une grosse attaque sur le temps. Forage profond, faut éviter, je suppose. Ouais, c'est beau. J'adore les lumineux. Ok, là je suis bien, je bouge pas trop. Haute pression.
Ok. Ah merde, il va faire un truc qui tourne. Mais je sais pas par où il commence. De, en face, je suppose. Je vais les suivre. Ah ok, d'accord. Ok. Ok, 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 ok. Pas trop compliqué pour moi. Et là il va dans ce sens là. Donc là je suis au bon endroit. Il va commencer. Ah oui, il fait pas les mêmes attaques. Marrant, j'adore en fait son skin avec les sauts là. J'avais pas trop fait attention. Oui, pas trop compliqué ce boss, ça va. Enfin, sauf qu'il fait un dernier truc là de fou à 10%, mais très compréhensible ce qu'il faut faire. C'est trop beau cette attaque, je trouve les effets lumineux ils sont pas beaux. Yes, GG tout le monde. Hein. On se rapproche du Purgata, c'est tout blanc. Ah, ils sont à moitié. Vous avez vu, ils sont pas tout à fait blancs. Corruption pardonnée. Ouais, I don't know. Bien fait quand même, genre là le changement de décor entre guillemets il est justifié parce que c'est vrai que les purgateurs que les purgateurs sont tout blancs et tout, alors du coup c'est justifié quoi, c'est pas juste tiens on va changer de couleur parce que faut pas trop saouler les joueurs. Ah, il faut le tuer. Non, j'étais en train d'attendre en me disant oh, qu'est-ce qui se passe, faut que je réagisse. Quand je suis pas sûr qu'on soit très efficace à pas être sur le même. Yes, on en a eu un. Et par contre, il va arriver. Il va se passer. Mais... Ok, il se reforme. Ah, mais ça va, du coup, après, il crève. Okay. J'ai cru qu'elle allait être full life en fait. À mon avis, il doit taper fort. Ouais, à mon avis, faut pas trop se mettre au corps à corps. On a eu de taper, mais comme des coups.
Let's go, on est bon. On passe par là. Oui. Alors, boucle d'oreille, je m'en fous. Quoi ça? Non. C'est le boss de fin. Ouh. Ah, il a un design à Storge. Storge. Comment on dit? Oh. Sorry, j'arrive. Ah, il est un peu... Ouais, je vois. C'est de l'eau. Je suis là. C'est de l'eau. Non, c'est pas de l'eau. Bon. Vous êtes facile ou pas? C'est une espèce d'ange avec une tête un peu... une pièce, quoi. Ah, ça fait des dégâts. Porte de l'hérétique. Faut aller où là? Sur le point? Ok, d'accord. C'est chiant, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Faut de la fortune, ça veut dire quoi? Faut se mettre au milieu? Ok, faut se mettre au milieu. Ok, pas trop compliqué. Juste regarder ce que les autres font. Ah, c'est quoi ça? Ok, là je suis bien là. Elles font quoi les ailes? Ah, ok, d'accord. Là je suis bien là. Faire des maths là, un peu calculé où je vais me placer. Quoi. Pendant ce temps là, je ne tapais pas du tout le boss là, j'ai complètement oublié de faire mes attaques, j'étais trop concentré sur où je vais me mettre. Ah, ça fait masse à faire. Manivelle intestinale. C'est pour les heal ce fight quand même. Parce que quand il tape. Ah, il en a 40% là. Faut de cristal, c'est quoi? Ah, ok, c'est le truc qu'il a déjà fait. Ok. Attention à toi au corps à corps. Ah, mais faut de la fortune. Ah, faut pas que je chante là parce que je me suis dit. Ah, ok, ils font des roues de la fortune maintenant, les trucs. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Ok, c'est compréhensible. Ok. Manivelle intestinale aussi, c'est super mal. J'ai pas l'impression que je peux l'éviter, ça, cette technique. J'ai l'impression que c'est juste une AOE pour dire de faire travailler un peu le heal. Allez. GG! Eh, c'était pas mal en vrai, j'ai bien aimé. C'était grave cool ce boss. Hein. On avait des petits trucs à faire et tout. J'ai bien aimé ce donjon là, tous les fights là, ils étaient cool.
Il y avait des trucs à faire. C'était beaucoup de réactivité, je trouvais. GG tout le monde. On absorbe. On va se transformer en purgateur, après on va rien comprendre. Du coup, il me reste plus qu'un de purgateur, il me reste le grand purgateur de Colusia et peut-être le grand purgateur de la dernière zone que je connais pas encore. Donc potentiellement il reste deux. Aïe. Ça pue. Je commence à me sentir pas bien.